réussi. Chut. Cassez-vous. Alors la version officielle, c'est je voulais vérifier si on pouvait courir accroupi. Spoiler. Non. Ah ouais. Après toi. On ne peut pas courir accroupi. Je te laisse réfléchir. Bon. Maintenant. Et bah. Toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes des lâches. C'est plus dur. Restons discrétieux. Oh, ça c'est pas gentil. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Si je vais te porter. D'accord, d'accord. Ok, allez, vas-y. Hein? Monte là. Oui. Dents contre l'inquisition. Alors que notre but. Ah, c'était bien l'inquisition, hein, du coup. Hein. Retard comme ça. J'avais dit ça au hasard, mais. Il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ok. Pour une plus grande action, maintenez contrôle. C'était quoi ce bruit? Bien, on okay. y va. Ah, j'ai vraiment l'impression d'avoir un gameplay dans Assassin's Creed. C'est assez marrant. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon, il se cache. Mais le seigneur Nicolas se sent. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Ah, au sein, hein. Au moins, il a eu le père. Et ah, là. Eux, il aura le fils. Mère, pourquoi? Allons-y. Pourquoi est-ce qu'ils le veulent? C'est vrai, bah. On a besoin de toi. Ils veulent le gamin, à mon avis, parce que ils veulent en. Ils veulent le buter pour virer la maladie, quoi. Pour éviter qu'elle se propage. C'est comme ça que fonctionne l'inquisition. Qu'est-ce que tu fais, On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos, d'accord? Ok. Maintenez contrôle. Allez, je vous connais, vous. Et là, les pauvres. C'était quoi ce bruit? C'est moi où il a dit, allez, je vous connais, vous les pauvres. Oula, bougez plus. Oula. Pouf pouf, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu, rien entendu. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son. Je suis désolé, hein. Genre, il faut que je teste. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours. Ah, quoi? Qu'est-ce que c'était? Alors, t'es où, salopard? Ah, ouais. Alors, vous étiez caché. Il fallait que je teste. Il fallait que je teste. J'étais obligé de tester, j'étais obligé. On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. C'est quoi ça, Carme? Ok. Hey, bougez pas. Mais quoi? Bougez pas, je vous dis. Là, j'ai pas compris. Mais du coup, faut que je l'envoie où? On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Mais... Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos, d'accord? Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Ah voilà, c'est bon, nous en restant planqués là, ça fonctionne. Je vais en embarquer un autre quand même. Ah ouais, ça trigger la flotte. Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens, Brouti, il faut te cacher, Brouti. Eh, oh, eh. Hein, oh. Verrouillé de l'autre côté. Voilà. Il y a un trou dans le mur. Bon. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Ouais, c'est ça. Envoyons le petit malade de l'autre côté. Il y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. J'aurais dû être bourreau l'autre mec. Lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Allez, mon grand. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Et si tu pouvais ne pas paniquer, ça serait cool. Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Ok. Pitié! Pitié! On attend. Demandez grâce, ne fais pas courir plus vite. Ok, j'ai cru qu'ils avaient foutu le feu. Allez, venez.
Oh, t'inquiète, on n'a pas attendu que tu nous le dises pour y aller. Hein. J'ai littéralement pas attendu une seule seconde que tu me le dises pour y aller. Hein. Y a pas de souci. Hein. Mais. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je. Ma tête. Maman. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. Moi, ouais, je voulais bien l'aider. Hein. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux, ma tête. Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Oh, mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller. Oh, comment elle lève les yeux au ciel? Je crois. Laisse-lui un peu de temps, petite conne. Mais tu m'expliques pas, connasse, quand tu veux que je sache. Ça va mieux, gamin? Tiens. C'est bon, Hugo, oui. Je me demande ce qu'il a, le gamin. Oh, voilà. C'est Life is Strange 2 ou Plague Tale? Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé. C'est Plague is Strange. Passer, c'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Non mais j'en ai. Restez avec Hugo. Attends. Bah non, mais non. Ça là-bas. Hé, hey, Hawks, où vous croyez aller? Quoi? Oh non! Non! Ah merde, je pensais que ça passait. Et c'est la daronne qui est trop lente. Sérieux? Il y a des pots là-bas. Ah, d'accord, ok. Seul. Oui. Restez avec Hugo. Je t'attends. Ok. J'en ai déjà un de pot. Parce qu'en gros, je pense qu'en gros, le jeu veut que je l'amène où? Genre à Chaille-les-Bains, là. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. Hein? Je dois les prévenir maintenant. Allez, grouillez vos culs! Grouillez vos culs! Allez, vite! Bravo! Viens, viens, viens! Par ici! Ok. Je pense que cette version du scénario est mieux que la mère qui se fait planter. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous! Oui, mais on attendra qu'il reparte. Alors non. Tac. C'était quoi ce bordel? Un caillou. Je sais pas si vous en avez. Je sais pas si vous en avez beaucoup par chez vous, hein, mais c'est. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en province. Va-t'en. Va-t'en, allez. Ça devait être le vent. Dit-il avec une flèche dans la jambe. Ça devait être mon imagination. Oh, vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. J'ai pas confiance. Oh, la mère va faire une connerie. Mon chéri. Va vite te cacher. La mère va faire une connerie. Ouais, c'était un traître, il avait une gueule de traître. Amicia, ah non. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais. Et vous alors? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Amicia. Tu es. Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Casse-toi, il y a le Templier qui arrive. Il y a Fort Honor qui débarque. Dépêche-toi, suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Oh la vache! Hugo, suis-moi. Bon bah maman s'est fait planter aussi. Et la sœur, on est
garçons vivants. Soldats, par ici. Oh là. Où est maman? Oh putain. Cours, cours le plus oh putain possible. Sur mon dieu. Le seul bouge, Amicia. Bah ouais, c'était quoi cette explosion? Ils sont juste derrière nous. C'est quoi ces problèmes? Tout droit. Va tout droit. Où on va? Maman va jamais nous retrouver. Cours devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner chercher maman. Pas question. Oh là là. On va nous attraper. C'est quoi ce bordel? J'entends des saloperies derrière là. Dans la terre, Amicia. Bah ouais, y'a un truc dans la terre, oui, je vois ça. Est-ce qu'on va mourir? Y'a des chances. On doit les semer. Oh non. Je vais te mentir, y'a des chances. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont, partout, mais ils sont tous en train de fuir aussi. Hein. C'est ça la nuance. C'est qu'ils sont tous en train de fuir un truc, là. Épisode 2. Le Front National. Bon, et ben, ça commence dur. Hein. En vrai, de manière cinématographique, je l'aurais totalement vu cette intro. Oh, me dis pas qu'on a perdu le gars. Non, c'est bon. Le village doit être tout prêt. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Fais-lui un coup de main, il galère là. Oh la vache. Hugo? Hugo? Mais c'est bien parce que la mère, elle s'est bien gardée de me dire comment, comment calmer le gamin quand il pète un câble. Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Il y a peut-être pire à penser dans cette situation, mais soit. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Là, c'est plus de l'innocence, c'est de la stupidité. Enfin, je suis désolé, c'est... Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On ouais, dira non. À Laurentius qui nous amène voir papa et maman? Oui. Oui. On fera ça. Oui. Même si je pense que... Bah tu sais maman, quand elle est en colère, elle a tendance à rester plantée là où elle est. Et je pense que notre fugue, bah, papa va l'avoir un peu en travers de la gorge. Donc, oh, c'est classe! Où sont passés les gens? Ils ont tous été transformés en zozio. Ils ont tous... C'est les poulets. Ah, des pommes! Hugo, c'est pas le moment. Mais, ne touche non, pas! Non, mais t'as vu la gueule des pommes? Mais j'ai faim! Comment tu peux penser à manger? Mais regarde la gueule des pommes, surtout! Il y a une civilisation sur la pomme que t'allais prendre. On bouffe pas ça. Espèce de crétin, là. Bon, c'est bien ce que je dis, hein. C'est plus l'innocence, c'est de la connerie. Hein. Je vois de la fumée. Quoi? Il doit y avoir du monde. On parlait combien sur le bûcher? Moi, je parie sur un bon petit bûcher des familles. Attendez, madame? Mesdames? Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. Peur de quoi? Peur de nous? S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Ah oui, il doit y avoir du monde. On n'a pas dit en quel état le monde, d'accord. Je viens de comprendre. Ça a mis du moment à monter au cerveau. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je sais pas. C'est marrant, mais quand je pense à l'état des gens qu'on cherche, je pense que... C'est pas vrai. Ils se cachent. Ok. Je pense à un chiffre, tout simplement, mais si je le dis, je vais me faire ban Twitch. Y a rien pour vous ici. Fichez le camp. Ah bah, sympa. Mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, j'aime pas cet endroit. Sympa. Ah
Alors, je dois préciser que j'ai totalement perdu la fumée de vue, hein. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle était. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où? On perdra tout. Y a quelqu'un? On viendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Ah, nous, on veut bien parler. Aidez-nous. Je sais que vous êtes là. Qui est là? Partez. Je veux pas qu'on vous voie devant ma porte. Vous n'êtes que des manants. Viens, Hugo. Des manants. Bande de pleutres. Montjoie Saint-Denis. Bon, je me suis perdu. Est-ce que vous pouvez au moins m'indiquer le bûcher le plus proche, s'il vous plaît? Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. On appelle ça le confinement. Leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui. Pardon. On appelle ça le confinement, Hugo. Insulte les seuls qui peuvent t'aider. Tiens, bah ils veulent pas m'aider. Je peux les insulter. Le confinement, Hugo. Quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui, même en 2022, existe encore. Sauf qu'à l'époque, on le faisait pour des maladies graves. Oh, ça sent la viande grillée. Je m'attirais tellement d'ennemis à avoir dit ça. Mais tellement d'ennemis. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Au bûcher ! Au bûcher ! Au bûcher ! Burn, baby, burn ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? On sort le reste de non. la bande. Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique hein infernale qui l'a fait sortir, hein ? Et ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Et... ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Et... mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Conrad ? Ah oui. C'est le dernier village que vous infectez. Ah oui, dans Conrad, il y a Rad. Viens vite. Quoi ? Cours, Hugo ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Parle pas, cours ! Les gens sont cons ! Pourquoi ils sont en colère ? Ils parce qu'ils sont cons ! Il faut qu'on se cache, Amicia ! Ici, à l'intérieur, vite ! Ouais, allez, allez, allez. Ok. Ah ! C'est calme, ici. Il va nous voir ! Ne bouge pas ! Ta gueule ! Attends, il se pointe. Je pourrais pas les rater. Yes. Alors. Ah ah. Regardez. Qu'est-ce que... c'est quoi ce machin? Merde. Ok. Ah. Et c'était quoi ce vacarme? Allez. Chut, oh, je vais éternuer. Oh, c'est pas le moment. C'est bon. On y est. On l'a bien eu. Y a rien. Non, il restait le plus. Voilà. Ah, pas par là. Non, pas par là. Nope, 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 nope. Hugo, cours aussi vite que tu peux. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Oh, un truc de tannage. On a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Oula. Alors attendez. Il faut que je me mouche. Parce que j'ai un truc qui me chatouille le nez depuis tout à l'heure. Mais je peux éternuer à n'importe quel moment, donc c'est pas pratique. Thank you.
Ça devrait être moins pire. Normalement. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, attends, oula. Ah! Alors. On va la pousser, oui. Ok, allez, do lift! Ok, allez. Pousse ça doucement. Tac! Bien, on peut grimper dessus maintenant. Bah allez-y, continue, hein. Vous arrêtez pas là. Alors. Ah, ok. La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Ça fait beaucoup de bruit, effectivement. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ça. Oui. Et là, je suppose qu'ils vont arriver à ce moment-là. D'accord. C'est sûr qu'ils vont arriver au moment où... Ah, j'aurais cru qu'ils arriveraient, tu vois. Dans notre dos. On s'en est sorti. On va partir d'ici. On parle pas trop vite. Si on ne retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Ah ouais, la fronde ne sauve pas de tout. La fronde n'est pas universelle. Des étrangers. Oh non, vite, vite. Les étrangers, mais. Michel, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. C'est pas grave. Oui, bah t'inquiète. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, ouais, je suis là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention. Ok. Oh putain. T'imagines, tu lui fais tomber sur la gueule. Hop là, fin du jeu. Vous avez tué votre petit frère. Hop là. Vous avez abattu votre petit frère d'une caisse dans la gueule. Allez, allez. Tu t'en sors, gamin? Tiens, bravo. Alors. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Ah bah non. Pas sans Laurentius. Non. Oula. Alors attends. J'ai paniqué. Nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Yes. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Morceau mais par putain, morceau. Ils sortiront pas d'ici vivants. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église, avec le reste. Hein? Ah dommage. Dabadabadu, yabadabadu. Ça aurait pu être intéressant de les écouter jusqu'au bout. Alors. En tout cas, au moins, un avantage, c'est qu'ils ont pas de chien. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Si, si, commence à nous jeter les chiens. À nous envoyer les chiens au cul, ça a mal se passer, quoi. Oh non, encore C'est par où? Je sais pas. Y'a aucune issue. Oh non. Bah go là. Vite, s'il te plaît. Je sais. Vas-y, rentre. On va pas les retenir longtemps. Vite, vite. Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée.
Ah là. Vas-y, gamin. Passe par là. Ouvre-moi la porte. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever? Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. J'arrive pas. Vous êtes là, Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Oh oh. Oh putain! Viens, 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 viens! Je dois m'arrêter, Amicia! Continue! Pas ici! Encore un tout petit effort! Bon, à la limite, porte-le, mais Oh, y'a un cochon mort! Très bien! Une impasse! Par ici, vite! Oh putain! Vous n'avez rien à craindre! Entrez! Merci! Merci un milliard de fois! Chut, c'est le coin le plus infecté du village! Ils sont où? Quand? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Conrad, au moins, chut. Putain, pas Conrad. Calmez-vous, c'est fini. D'où tu me chutes? Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous... Eh? Vous êtes sûr? Merci. Ok. Oh putain, j'ai failli foutre... En me tournant, j'ai failli foutre le gamin dans le feu. Y'a pas moyen de... Non, dommage. De guérir le mal à la racine. Oh, y'a un truc là. De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même.